Alors, l'Angleterre, la malédiction again. Mmh. <laughs> Damnation, on dit. The curse. Euh, la, la, la... <laughs> Ça devait être la redemption, mais euh, là, c'était plutôt la tête d'un hein. seau. En tout cas, 58 ouais. ans d'attente. Hein. It's not uh, coming home. Il faudra attendre encore au moins peut-être deux ans euh, pour ce qui est du, du prochain bah, mondial. Oui. Harry Kane disputait ouais. sa sixième finale et il a donc perdu avec tous ses camarades hein, cette deuxième opportunité à l'Euro. Il était inconsolable. Difficile de trouver les mots et de dire ce que je ressens. C'était un match compliqué. On a réussi à revenir. On pensait pouvoir doubler nos adversaires. Mais prendre un but comme ça en fin de match, c'est difficile à encaisser. Je ne sais pas quoi dire. On est toujours arrivé à se transcender dans le tournoi. On a montré la résilience. Mais une fois de plus, on bute sur la dernière marche. L'Espagne a très bien joué. On pensait arriver à l'emporter, c'est une opportunité manquée et ça n'est pas facile d'atteindre ces finales. Il faut saisir la chance quand elle se présente à nouveau. Nous n'avons pas réussi à le faire. C'est douloureux et ça va faire mal longtemps. Un bon résumé hein, de ce que devait ressentir toute cette sélection. Euh, Gar euh, Garrett, Southgate, on l'a entendu aussi, euh, c'était à peu près dans la même tonalité. Mais est-ce que Harry Kane, c'est le symbole de ce naufrage euh, en Angleterre, euh, Bruno ça, ça serait un peu facile de dire que c'est le symbole parce qu'au-delà de l'équipe d'Angleterre, il n'a jamais rien gagné. Les autres ont gagné. Au coup d'envoi, c'est le seul des 11 joueurs anglais qui n'avait jamais gagné un trophée. Ils ont tous gagné au moins dans leur carrière un petit trophée. Et lui, ça le poursuit. C'est vraiment pour lui en en train de se demander. C'est pas une malédiction parce qu'il avait rejoint le Bayern de Munich qui gagne toujours. Et cette année-là, il gagne pas. <laughs> non, va finir par dire, Mais bien. après, le, les problèmes anglais dépassent Harry Même si sur cette Euro, Harry il a symbolisé la. La fatigue, le fait que rien n'allait dans son sens, et qu'il a fini par être remplacé à l'heure de jeu par son entraîneur. Donc c'est un, un drôle de symbole. Mais ses mais, mais coéquipiers n'ont pas été nettement meilleurs non plus. Ils n'ont jamais trouvé la bonne formule. Ils n'ont jamais trouvé le jeu qui était leur force, notamment en 2022 où ils ont été plutôt impressionnants face à l'équipe de France. Là, il y a quelque chose qui a disparu. On a l'impression que Gareth Southgate il a perdu la main. Euh, C'est peut-être d'ailleurs la fin du NER, on va voir. Il est en fin de contrat en décembre, il se pose des questions, lui serait plutôt partant, la fédération anglaise voudrait le garder. Mais y a-t-il beaucoup d'entraîneurs anglais, bah, euh, pas sélectionneurs Pas, ah, pas oui, beaucoup, hein anglais, non. C'est le problème quoi. anglais, il y en a que on deux. Dit que, euh, oui, euh, il y a Graham un... Potter qui est, qui est disponible, et puis il y a Eddie mm Howe -hmm, euh, du côté mm -hmm, Newcastle, Newcastle qui, lui, hein. a de la vraie qualité. Mais ils, ils ont pu s'apercevoir que prendre le poste de sélectionneur de l'Angleterre, c'est aussi <laughs> beaucoup de critiques ouais. et très difficile à vivre. Il faut être euh, oui. solide. Cette équipe anglaise, euh, finalement, ils étaient quand même arrivés là, hein, on le disait, un peu à, après, euh, des aider par un tableau à... un peu plus favorable aussi. Bah, oui, vu il faut, le il faut, goût faut gagner faut pour arriver. Ouais, mais... ouais, la France, on finit... On faut faut finir Déjà, faut... ouais. Déjà c'est pas mal parce qu'il faut remonter aux années 90 pour voir une équipe d'Angleterre qui approche le dernier quart. Et ça, on en avait perdu l'habitude. Et là, depuis quelques années, ils sont là. Et je pense que ça va créer une émulation euh, à force de traîner dans, dans l'eau du panier. Je pense qu'ils vont peut-être finir par y rester. Après, intrinsèquement, on, on, on se leurre un peu sur cette équipe d'Angleterre dans le sens où il n'y a pas vraiment de grands joueurs de classe internationale. Moi, j'en vois que trois. Je vois y oh bah, Kai... en a quand même trois, c'est quand même pas mal pour une équipe. Une non, mais c'est pas mal. C'est bien. Bellingham, mais... Kane, Foden, c'est quand même des, des grands joueurs. Ah, je, même. Mets même pas, je mets même pas Foden. Moi, je mets Kai Walker, euh, Harry Kane et euh, Bellingham. Mais c'est bien, c'est pas mal c est, c est... Foden, c'est aussi... Ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. c'est la consécration cette année. On oui, savait mais, que c'était oui, un bon joueur. Mais classe internationale, moi, je ne sais pas s'il ouais. si aurait il sa place partout. Il était beaucoup plus connu que plusieurs joueurs de l'Espagne, mm. déjà. Donc, bouger. je pense que cette équipe d'Angleterre, fondamentalement, on, on la voit trop belle. Et, et euh, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe. C'est un peu le, le problème de l'Italie, mais en moins pire. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs de, complé... de, de, joueurs de complément. C'est-à-dire qu'à part euh, Bellingham, qui est vraiment, on peut dire, presque un taulier au Real Madrid tous les autres, c'est des joueurs forts dans une équipe, mais ce n'est pas des leaders, comme il peut y en avoir, par exemple, un Rodri à manchester city, ou alors, je sais pas, un van dyke à liverpool. c'est vraiment des joueurs de con, c'est des joueurs d'abord de complément. alejandro, cette équipe d'angleterre, on l'a dit maudite, est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que, est -ce que cette fameuse dernière marche, c'est ce, les, ce, ce... les conséquences de la main de Dieu, ça <laughs> Je crois pas, non. C'est vraiment à loin, ça. Je, je pense que l'Angleterre, enfin, vu par moi, euh, par un Argentin, c'est toujours. <laughs> C'est toujours les maîtres, enfin c'est les inventeurs du football, c'est l'équipe qu'on a toujours envie de battre, euh, qu'on a toujours envie d'affronter, qui, qui a le prestige d'avoir de, 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 créé ce sport et, et de l'avoir euh, codifié, codifié et, enfin de, de l'avoir exporté aussi, parce que c'est les Anglais qui ont amené ce, ce sport à l'Argentine. Donc il euh, y, y a toujours un, un attachement, il y a une sorte d'amour haine, mais, mais toujours envie d'en de, de, quoi. C'est une équipe qui, qui nous inspire. On l'avait mise parmi les favoris dans cet euro, Manou, et en même temps, on les voyait peiner à chaque fois, en dépit de leur, des bons choix même parfois de, de, du sélectionneur. Cole Palmer, c'est lui qui marque le but d'égalisation. Watkins, on se souvient, c'est lui qui marque le but, euh, qui va les, les qualifier ensuite. Donc, c'était euh, en même temps un, un peu fascinant de les voir. Moi, en fait, surtout en Espagne, je crois qu'on ne les mettait pas parmi les favoris. On avait pas mal de doutes par rapport à, à Gareth Southgate, euh, parce que c'est un peu la même histoire qu'avec la France. Vous les talents qui toi pour moi, ils sont beaucoup, beaucoup de talents. Ils n'arrivent pas, pas à créer une équipe. Après, c'est aussi des choses qui se passent dans, quand on parle des championnats comme ici. Il y a les, les équipes qui jouent très bien et qui arrivent loin. Il y a aussi des équipes qui, qui profitent de la chance, profitent du fait que la France est de l'autre côté mm -hmm. euh, du, du, du tableau, du etc. Tableau. Mm -hmm. Et, et il arrivent... Euh, moi, franchement, moi, j'attendais pas qu'il s'arrive si loin, pas d'être tout. et, et j'ai regardé surtout vers vers Gareth Southgate parce que je crois qu'au niveau d'effectifs, euh, ils sont en capacité. Je crois qu'ils font un déclic. De la même façon qu'on l'a eu en Espagne, quand on a battu l'Italie au tir-bull lors du, du championnat. Peut-être contre les Pays-Bas, peut-être. Quand ils ont battu les Pays-Bas à la dernière minute, moi j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, peut-être. On aurait un peut-être une, une victoire face à une équipe un peu plus forte. Disons peut-être l'Allemagne, qui ils étaient aussi parmi les favoris. Je crois que l'Angleterre manque d'un déclic pour euh, libérer ah, tout ce talent. En France, on l'avait eu en 84 avec l'Euro. Et puis ouais, après, il sûr. a fallu attendre 98. C'est vrai qu'il y, y a un, un déclic qu'on attend euh, du côté de l'Angleterre. En tout cas, cette L'Espagne bat l'Angleterre 2 buts 1. L'Espagne est champion d'Europe les gars. Pour moi, c'est totalement mérité. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce match entre l'Espagne et l'Angleterre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le fond c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on Alors les amis, l'Espagne a battu l'Angleterre 2 buts à 1 et pour moi c'est totalement mérité. Pourquoi je le dis Puisque depuis le début de la saison, l'Espagne pour moi c'est l'équipe qui produit un meilleur visage l'équipe qui affiche le meilleur visage de la compétition. C'est très fort, ça marie beaucoup de buts et en plus c'est très séduisant dans le jeu. Donc dans ce match contre l'Angleterre, l'Espagne a aligné son quatuor offensif, notamment Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams et évidemment Alvaro Morata en pointe. Côté anglais, côté anglais c'était la composition qui avait été alignée contre les Pays-Bas, notamment avec un Bukayo Saka qui joue en piston, Phil Foden qui est dans le cœur du jeu avec un harikel en pointe. Et du coup, les amis, en première période, on a vu une nette domination espagnole sans vraiment occasion franche. L'Espagne a dominé en première période, mais il n'y a pas vraiment d'occasion franche. À seconde période, ça s'est débloqué, notamment par Nico Williams. Nico Williams qui ouvre le score à la 47e minute. Ensuite, Langueté revient à la 73 e minute par Cole Palmer. Lorsque Langueté marque pour moi, c'est vraiment un hors-d'oeuvre. C'est un hors-d'oeuvre dans la mesure où, jusqu'ici, Langueté ne produisait rien. Et Langueté n'a quasiment rien produit tout le match. Donc, lorsque je vois Cole Palmer marquer ce but, je me dis... C'est notre dop Sauf que sauf que le football a été récompensé à la 86 e minute. Oyazabal, il scelle le match en mettant le but de 2 buts à 1, le but du chaos. un but qui assomme les anglais. Là où l'Espagne m'a impressionné dans ce match, c'est quand j'ai vu la sortie de Rodri. Lorsque j'ai vu la sortie de Rodri sur à la mi-temps, je me suis dit que Rodri qui va alimenter le jeu, qui va vraiment stabiliser le milieu de l'Espagne. Sauf que l'Espagne a tellement de qualités que même... Lorsque Rodri sort, il y a des garçons qui peuvent faire la différence. Martin Zubemendi, il a su parfaitement remplacer Rodri. Côté anglais, on a très vu que le côté gauche, le couloir gauche était complètement à mort. C'est Lucho qui prenait souvent le couloir gauche. Mais est-ce que Lucho, c'est un buteur Lucho, ce n'est pas un buteur. Ce qui fait que... C'était très facile de contrer l'Angleterre, les amis. Il fallait juste bloquer le côté droit, le côté des filfodés et Osaka. Dès que tu avais bloqué ce milieu là c'était terminé pour l'Angleterre. Le principal fautif des défaites de l'Angleterre ces derniers temps, c'est son entraîneur, à l'occurrence ici, Sotgate. Sotgate, les amis, moi je pense que c'est lui qui incarne ces défaites-là. C'est inadmissible que c'est un coach que je trouve très limité. Tu fais ta liste sans vraiment appeler un gauche n'appelle pas un lié gauche pourtant l'Angleterre n'a manqué pas de gauche. Il y et des garçons comme le sancho sancho a fait une très belle saison avec d'autres pourquoi on n'est pas appelé sancho pourquoi on n'est pas appelé sancho même marcus Rashford je suis sûr que vous allez me dire que voilà il a fait une mauvaise saison avec une tête. mais pour moi marcus Rashford pouvait apporter sur le couloir gauche marcus Rashford pouvait bien apporter sur le couloir gauche pourquoi on ne l'a pas appelé pourquoi on n'a pas appelé sancho donc moi j'estime que ce coach-là est très limité tactiquement. Et pour moi, c'est lui qui incarne clairement les défaites de l'équipe d'Angleterre ces derniers temps. Oui, tu as me dit qu'avant lui, l'Angleterre a souvent été un échec. Mais je trouve qu'avec les jeux qu'il a à sa disposition, les Phil Foden et Osaka, pour moi, il doit beaucoup en faire mieux. Il doit beaucoup en faire mieux. Tu as un Phil Foden qui peut jouer au cœur du jeu. Pourquoi ne pas appeler Sancho sur le côté gauche Là, tu as Sancho côté gauche. Tu as Buker Osaka côté droit. Tu as Phil Foden qui joue en 10. Et tu as dans en point. Tu peux jouer du clear et du Bellingham. En double pivot avec un jude bellingham qui monte le plus souvent donc moi je trouve que ce coach là il est très limité tactiquement et ça fait en sorte que Harry Kane va finir peut-être sa carrière sa remporte des trophées et c'est vraiment dommage puisque je trouve que c'est un avancé qui a beaucoup apporté au football ariquin pour moi c'est une que avec son talent avec les buts qui marquent chaque saison si on te dit que ariquin n'a pas de titre c'est vraiment inconcevable c'est inconcevable mais c'est vrai ariquin n'a pas de trophée Pourtant, chaque saison, il te marque environ 30 buts. Il te marque environ 30 buts chaque saison, mais il n'a pas de trophée. Le fait que Harry Kane ne remporte pas de trophée, ça me fait un peu mal. Après, partage-moi ton en édition, fait commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'était très bientôt pour notre les amis. Ciao, ciao